Salut à tous, bienvenue dans un nouveau magnifique paysage. On est mi-juin et on a un petit redoux qui fait beaucoup de bien parce qu'on avait une canicule là. Donc deuxième épisode de mes plantes sauvages du printemps que j'aime. On va voir s'il y a des nouvelles choses de sortie. Je vais vous amener sur peut-être plusieurs jours, je sais pas, et vous présenter en suite du premier épisode que je vous avais fait. Le lien est ici si vous voulez voir. Et de comment manger et utiliser toutes ces plantes comestibles ou médicinales. Même si tout ce qui est comestible est médicinal. Allez, on y va. Ça sent extrêmement bon, ça sent très sucré. Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo sur les plantes sauvages, je vous avais montré le balsam root arrowleaf, le tournesol de l'Okanagan, et voilà que les grandes feuilles jaunes sont parties, mais des plus petites feuilles jaunes sont apparues, leurs petites sœurs. Pour ceux qui savent, je vais vous laisser deviner quelle plante c'est, ce que j'ai entre les mains. Vous connaissez sûrement cette plante. Ça s'appelle l'arnica. Alors, elle est assez facile à reconnaître, surtout en fait en la prenant et en la sentant, parce que, eh bien, elle est très sucrée en fait. Elle a une saveur, pas une saveur, parce que c'est pas comestible, mais une odeur très très sucrée qui est comme en fait on s'attendrait à ce que toutes les fleurs sentent comme ça. Et donc voilà l'arnica que la plupart d'entre vous connaissent sûrement sous forme homéopathique, et en fait avec ça on en fait des salves, des baumes ou des tinctures aussi, mais je pense que je vais essayer de faire un baume avec ça. C'est très très simple, je vous montrerai peut-être à la fin de cette vidéo comme dans la dernière vidéo. On va ramasser plein de fleurs fraîches. Alors, il y en a pas mal ici. Je pense que je vais le marquer sur mon application, sur mon GPS, pour m'en rappeler, pour revenir, parce qu'il les faut fraîches et je n'ai pas assez d'huile. On veut mettre ça dans de l'huile, donc soit de l'huile de karité ou de l'huile d'olive ou peu importe, et faire macérer ça pendant plusieurs mois. Donc voilà l'arnica, très facile à reconnaître. Une plante qui grimpe un peu comme ça avec des feuilles. Je ne sais pas comment on appelle ces feuilles-là, les biologistes savent. Hi, buddy. Oh, il y avait un petit papillon sur une fleur et Léo, il a marché dessus. on peut rendre Léo, le faire devenir une Léa. Je t'embête. All right, let's go. Qu'est-ce que c'est beau quand il fait gris. En fait, les montagnes, ça donne un relief et des contrastes. J'adore ça. Aussi, mon corps adore ça parce qu'il fait beaucoup moins chaud. Il fait genre 18 degrés aujourd'hui. C'est magnifique. Oh, désolé. Je m'en vais. Je l'ai dérangé. Mais vous voyez cette fleur-là que j'étais en train de regarder. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc... Il y a toujours quelque chose à apprendre. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire ces expériences-là, parce que moi, ça m'a pris plusieurs années par moi-même
à mes propres recherches et surtout en marchant et en explorant la nature, on arrive à se familiariser avec des plantes. Et il y a plein de choses qu'on a toujours à apprendre et c'est ça que j'adore en fait. Alors que vous voyez, je voulais vous montrer une autre plante, mais je vais vous amener à un autre spot. Voici le kénopode, le lamb's quarter en anglais, qui est en fait l'épinard sauvage. Et dans cette vidéo, je voulais vous montrer une petite recette de comment cuisiner l'épinard sauvage. Oh, un petit chevreuil. Parlant de chevreuil, je suis dans un de mes derniers sacs de jerky de mon chevreuil de l'an dernier. J'avais fait une vidéo pour vous montrer comment je l'avais fait, pour ceux qui veulent la voir, c'est sur Patreon et sur ma playlist. Mais je vais essayer de rationner mes portions jusqu'à la fin de l'été. le jerky, c'est un des meilleurs snacks de rando, encore plus quand vous le faites vous-même. J'adore quand Léo il se perche en dessus de rochers comme ça. J'imagine qu'il y a une raison pourquoi je l'ai appelé Léo. C'est un petit lion. Une autre petite variété locale, les figues de Barbarie, en anglais brittle prickly pear, qui ont des fruits qui sont comestibles. Alors c'est vraiment pas la plante préférée des chiens, parce qu'en général ils s'en mettent plein les pattes. Hein, Lily? Mais j'ai jamais essayé ça et ça me tente de peut-être... Mais j'aurais pas dû la prendre celle-là parce qu'elle est encore verte. Celle-là, elle est un peu en dessous là. Mais j'ai pas amené de pinces. J'ai toujours des pinces avec moi en général, un multi-outil. Mais j'en ai pas amené. Mais on devrait faire cette petite expérience pour la science. Voyez, celui-là, il est un peu trop... Ow, fuck. Ow. C'est drôle parce que pour moi, j'ai jamais considéré un cactus comme étant comestible vu comment il nous attaque. Ces choses-là, elles nous sautent dessus. Et même si tu veux, moi j'ai des pantalons Northbound qui sont extrêmement résistants. Quand ça te saute dessus, attention Lily. Oui, vas-y. Je sais pas pourquoi les chiens n'ont pas ce sixième sens par rapport au cactus. Ah. Oh, wow, très bien, ça c'est un bon chien. C'est un peu comme les serpents à sonnette, mais un jour on fera le test, pas dans cette vidéo, parce que je voulais me maxer sur les choses que je connais très bien. Mais je vais faire un peu plus de recherche pour peut-être vous en parler un autre jour. Je vous remercie de m'avoir amené ici parce que aujourd'hui j'avais pas prévu d'explorer ce versant que je n'ai jamais exploré. Donc je voulais vous remercier de m'avoir amené ici parce que je voulais vous montrer des plantes aujourd'hui et ça m'a forcé à aller explorer un nouvel endroit qui est, je dois dire, très très beau, très pentu mais très très beau. En tout cas, c'est très très préservé cet endroit ici. Avec plein de plantes natives. Regardez ces rochers. Donc merci, je voulais vous dire merci. Documenter mes petites affaires, c'est aussi pour vous amener à des endroits. Et aujourd'hui, ben, j'ai été amené à venir explorer un nouvel endroit. À la base, je venais chercher encore des morilles. Mais c'est drôle comment en cherchant quelque chose, on va trouver
parfois d'autres choses. C'est pour ça qu'il faut rester ouvert. C'est assez beau cette métaphore des récoltes sauvages ou de partir à l'aventure dans la vie sauvage. Avec son petit compagnon, fidèle, plus ou moins. On est en train de suivre un ours, un petit caca frais. Bon, ici, il faut vraiment marcher comme un chamois. Et d'ailleurs, parlant de chamois, à l'origine, selon les mythes, l'arnica aurait été découvert en observant les chamois qui tombaient de dizaines de mètres dans les montagnes, sur les rochers, et qui ensuite, pour se soigner, se roulaient dans des champs d'arnica, de ces fleurs-là. Ce serait de là que notre découverte de l'arnica à des fins pour les bobos, pour les ecchymoses, pour tous les traumatismes en fait externes. Et j'aime beaucoup cette histoire des chamois. Là, il y a un petit chamois. Petite pente que je vous avais déjà présentée, mais les rappels ne font pas de mal. La muléine, la plante papier toilette, qui est également une plante extrêmement invasive, qui pousse partout. Elle va parfois très très haut, elle va être aussi haute que moi parfois. Il y a un autre usage qu'utiliser ça comme du papier toilette, alors que Léo est en train de creuser en direction de la Chine. Vous pouvez fumer ça, en fait, les faire sécher et fumer ça, et paradoxalement, ça ouvre vos bronches, en fait. Donc, une plante que j'apprécie beaucoup, que vous pouvez mélanger à d'autres choses, et en tout cas, la muléine, la plante papier toilette. Que j'aime beaucoup quand on ramasse des plantes sauvages et qu'on est en mode récolte, c'est qu'on oublie totalement où on est et on se perd dans cette activité de ramasser. On a la tête baissée. Moi, en général, en rando ou quand je suis à la chasse ou quoi, j'ai toujours un peu les yeux ouverts sur tout mon environnement. Et c'est pour ça aussi que j'apprécie, dans la région où je suis, il n'y a pas de grizzly. Il y a seulement des ours noirs et des cougars. Donc ça fait que
ça rassure un peu de ne pas toujours devoir regarder autour de soi et être certain qu'on va pas surprendre un grizzly. Donc voilà, je pense qu'on a bientôt fini notre petite récolte et ça va nous faire un petit pommasson qu'on va remplir d'huile. Et ensuite on va faire macérer ça, c'est aussi simple que ça, je vais vous montrer. De retour au camp de base. La partie la plus facile maintenant, c'est celle de faire son huile d'arnica. Alors l'arnica, il faut très vite s'en occuper parce que les fleurs vont faner très très vite si vous ne vous en occupez pas. Donc je fais juste attention à ce qu'il n'y ait pas d'insectes. Et à part ça, ben, il faut juste mettre toutes les fleurs dans le pot. Et ensuite, on va faire un mélange d'huile d'olive et d'huile de coco. Parce que l'huile de coco, ça solidifie surtout l'hiver. Mais justement, solide, ça sera intéressant à poser sur ces ecchymoses et tout ça. Donc, on va essayer ça. Peut-être j'ai trop rempli. On va voir. Et ensuite, on va secouer. Et donc voilà notre crème d'arnica qui va rester là-dedans pendant 2 mois. Et ensuite, on va filtrer les fleurs et garder juste la pommade. Une autre petite expérience pour avoir sa propre crème d'arnica. Et on va mettre ça dans notre petite réserve. Je vous ai déjà raconté que quand j'ai des jardins potagers, je suis très mauvais avec les épinards. Je n'arrive jamais à faire pousser des épinards dans le climat où je suis. Et c'est pour ça que j'adore le kénopode, qu'on appelle aussi épinard sauvage. Et vous pouvez voir qu'ici, on a un champ complet de kénopodes. Et donc, je me disais qu'on allait faire une petite récolte pour les 2 prochains jours, pour ajouter un peu de verdure sauvage dans nos salades, dans nos repas, parce qu'il faut la faire cuire, sinon c'est bien trop amer comme plante. Et il y a plein de nutriments là-dedans. Enfin, c'est vraiment un épinard sauvage sur stéroïdes. Et c'est quand même une très belle vue pour ramasser ça. Hein, Lily? La seule chose à laquelle il faut faire attention quand vous ramassez des épinards sauvages, c'est que vous ne soyez pas trop près d'un vignoble ou d'un verger industriel où il y a beaucoup d'engrais, parce que l'épinard sauvage, ça adore l'azote. D'ailleurs, la seule raison pourquoi il y en a ici et à l'autre spot là-haut, c'est parce que les vaches ici sont en pâture. Et donc, ça ajoute beaucoup d'engrais dans le sol, et le sol est remué, et donc le kénopode sort. Mais proche des vignobles et des fermes un peu industrielles ou très actives, faire attention parce qu'il y a des niveaux d'azote dans ces kénopodes qui, si vous l'ingérez un peu trop souvent, peuvent être un peu trop élevés. C'est le niveau d'azote dans le kénopode. Donc juste à garder à l'esprit, c'est vraiment la seule chose avec ces plantes-là. Donc maintenant, je vais vous montrer comment je cuisine ça.
Alors le quinopod, c'est très facile à cuisiner. Vous voyez, c'est une petite pellicule sur les feuilles qui sont un peu... D'ailleurs, celle-là a été mangée, je vais l'enlever. Et cette pellicule, elle retient l'eau, donc vous pouvez juste les rincer vite fait avec de l'eau pour les nettoyer un peu de terre ou je ne sais quoi. Et ensuite, pendant quelques minutes, vous pouvez les faire bouillir dans l'eau, dans leur propre eau en fait, qui reste des feuilles, et ça se cuit comme des épinards. On va mettre un peu de sel, et ensuite vous pouvez mettre un peu de crème fraîche ou je ne sais quoi, et donc voilà, c'est très facile à préparer. Et ensuite, voilà le résultat. Des petits oignons, un peu de crème fraîche, un peu de sel, d'herbe de Provence, un peu d'ail haché, un petit foie des familles, et vous avez le repas d'un jour pluvieux. T'es tout mouillé. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose, d'avoir passé ce petit moment avec moi dans la nature, à voir tout ce que la nature a comme abondance à nous apporter, et à nous aussi, à nous nourrir, et pour ensuite vraiment être capable d'en faire partie d'une certaine manière. Et j'espère que vous vous portez bien, et je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye.